Hello les gens, hello tout le monde, presque tout est dans le titre, je déménage. Alors vous allez me dire, oui tu as déménagé il n'y a pas longtemps, pourquoi tu déménages, où est-ce que tu déménages, quand tu déménages, et bien justement, cette vidéo c'est pour expliquer un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que j'en ai parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, on en a parlé aussi sur quelques lives, mais au final il n'y a pas eu toutes les informations dans la même vidéo. Et comme ça, au moins, vous saurez exactement où ça en est, ce qui se passe. Et puis voilà, je sais que vous êtes des petits curieux, donc pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, tout sera dans cette vidéo. Alors, on commence par où est-ce que je déménage? Donc là, actuellement, j'étais sur Laval, en Mayenne, et je vais déménager sur Paris. Pourquoi je déménage sur Paris? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que en Mayenne, j'avais ni famille, ni amis, donc c'est vrai que je me sentais un petit peu éloignée de tout. Et au niveau des événements, etc., tout se passe sur Paris, ou tout se passe du moins sur des grandes villes. Et je passais mon temps à prendre le train, vous m'avez sûrement plusieurs fois sur mes réseaux, à dire bon allez, je vais à Paris aujourd'hui, je rentre demain, je retourne à Paris dans 3 jours, etc., etc. Et c'est ce qui allait encore être le cas la semaine prochaine, puisque là, il y a un nouvel event sur Arc. Vous avez peut-être vu sur mes réseaux, il y a un tirage au sort en ce moment pour gagner des places pour me voir. Et c'est pareil, c'est sur Paris. Donc cette fois, c'est bon, je vais déménager sur Paris. Je déménage le 25 et le 26 mai, donc c'est dans pas beaucoup de temps du tout. Là, au jour d'aujourd'hui, ça va être dans une petite quinzaine de jours. J'ai trouvé un appartement sur place. Sur place, évidemment, une fois que je serai installée, je vous ferai un room tour et je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble. Avec qui je déménage? Je déménage avec mon chat. Calici me suit évidemment partout. Donc nous allons refaire une petite coloc toutes les deux. Je serai dans un coin assez sympa. Ça n'a pas été facile parce que c'est vrai que c'est depuis janvier que je cherchais. Donc là je suis contente que ce soit enfin fait. Et puis voilà, Paris, parce que les événements, les rencontres avec vous, beaucoup plus facile de se déplacer. Et puis surtout, j'ai des amis sur Paris, et ça va être chouette, que ce soit des amis youtubeurs ou des amis non youtubeurs, mais ça va me permettre aussi moi d'avoir une vie sociale, parce que jusque là, ma vie sociale était assez réduite. Ma vie sociale était dans mon bureau en fait, voilà. Une fois que j'avais mon casque sur les oreilles sur Discord, j'étais en vie sociale, mais c'est vrai qu'au niveau des sorties, au niveau des collabs YouTube, au niveau je sais pas, rien que pour aller faire du sport, pour aller faire ses courses ou autre, des fois c'est cool de pouvoir être avec d'autres personnes, et là ça va enfin être le cas. Donc vous allez avoir une youtubeuse qui va être légère, heureuse, souriante, enthousiaste, qui va avoir envie de faire un tas de nouvelles vidéos, un tas de nouvelles choses. D'ailleurs, il est possible que dans les mois à venir, ou du moins dans le mois à venir, je crée une seconde chaîne. Ça c'est un autre épisode, mais voilà, il y a quelque chose, enfin j'ai des projets. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Petite dernière chose, si quand même importante, c'est que forcément tout ne pouvait pas être tout rose et tout beau. Donc je déménage le 26, mais comme le logement n'a pas été habité pendant 6 mois, il faut réouvrir une ligne internet, ce qui veut dire qu'il faut faire venir un monsieur d'internet, Monsieur Orange, et Monsieur Orange aime bien se faire désirer et a décidé de venir le 12. Donc j'emménage le 26, Monsieur Orange passe le 12. Sur cette longue période, on va être avec la 4G. Je vais être avec mon téléphone en espérant que le téléphone se connecte bien au PC et qu'on arrive à avoir une connexion stable. Et sinon, demander à des copains youtubeurs de me prêter un boîtier 4G pour 10 jours pour survivre, tout simplement. Voilà. Mais ça devrait le faire, on devra s'en sortir, c'est pas le premier déménagement. Geoffrey sera là pour nous aider. On est motivé. Voilà un petit peu, donc j'espère que ça a répondu à vos questions. Donc c'est pour ça que tout est vide, hein. C'est pas parce que je change de déco, c'est pas parce que j'ai plus envie d'avoir de déco. Si vous entendez voilà résonner et s'il n'y a plus de meubles, c'est tout simplement que tout est dans des cartons quasiment. Puisque là ça se rapproche très très vite et j'ai pas envie d'avoir tout à faire au dernier moment. En tout cas, j'espère que ces informations vous ont éclairé, que voilà, vous connaissez toute ma vie. Donc des gros gros bisous, et puis à très bientôt pour la suite des lives et des vidéos.